Ah, le nouveau sniper dans le nouveau mode de jeu, c'est de faire au moins un kill avec. Ça peut être super cool. Eh bien, aussitôt dit, aussitôt fait, madame va être servie. Ah, j'espère qu'il va être AFK au moins deux secondes. Un conseil, ferme ta gueule. Là, je me dis, ça y est, c'est trop tard, ça va dégénérer. Oh! Juste avant la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Prenez 5 secondes pour voir si vous êtes abonné ou pas. Et si vous n'y êtes pas, bah, je vous invite à vous abonner tout simplement parce que je vais faire beaucoup de vidéos Fortnite. Voilà, c'est tout. Abonnez-vous. Sur ce, bon visionnage. Et yo, Slam CGX, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nouveau mode de jeu Score Royal. Donc je vais voir ce que ça donne parce que je n'ai pas encore joué, j'ai juste lu les règles ici. Donc c'était très chiant à lire, mais j'ai tout lu. Et j'ai vu un live, je crois, mais je n'ai pas totalement compris. Donc on va voir ce que ça donne, puis on va essayer de faire des bonnes games pour vous proposer du gameplay. Mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que je compte faire beaucoup de vidéos sur Fortnite. Et proposez-moi des idées de vidéos sur Fortnite. D'ailleurs, en parlant de Fortnite, il faut que je m'entraîne, parce qu'en fait je compte pas passer ma vie dessus. Et je voudrais améliorer mon niveau un petit peu, parce qu'il est pas foufou non plus, comme on peut dire. Donc voilà, donnez-moi des conseils aussi dans les commentaires, j'insiste vraiment sur ce fait. Ça peut vraiment m'aider. En tout cas, on va jouer au nouveau mode de jeu. J'espère que vous allez aimer, parce que ce que j'ai vu, ça ressemble à celui au mode de jeu dans Call of Duty là. Élimination confirmée, je crois c'était. Je sais pas, j'ai vu des médailles un petit peu, ça fait penser réellement à ça. Ta gueule ! Alors, une particularité de la mise à jour, c'est qu'on peut dire merci au chauffeur de bus. Alors, je comprends pas du tout l'utilité, peut-être que c'est un indice pour la prochaine saison, je ne sais quoi. Je n'ai aucune idée, mais en faisant B, on peut remercier le chauffeur, c'est vraiment bizarre. Enfin, du moins, moi c'est B. Atteignez un score de 2000. Pour gagner la partie, ok. 2000, ok. Donc je pense que je vais sauter à Salty. L'écriture est stylée, ça fait stylé vraiment. La police d'écriture est stylée. Et on va tester le nouveau mode de jeu parce que j'ai pas encore du tout. Réellement, j'ai pas touché du tout. Peut-être que ce planeur faudrait que je change parce qu'il est bruyant. Regardez, écoutez. Il est pas bruyant, il est bruyant. Et ça, c'est ultra chiant, je pense. Parce qu'on se fait repérer quand on arrive derrière quelqu'un ou je ne sais quoi. Je pense que. Ah merde. Ah, déjà, très très mauvais drop. Il y a un que mais. Donc j'ai 0 points pour l'instant. On va voir comment on récupère des points. Donc je vais ouvrir un coffre et je vais voir combien ça me rapporte. Hop, 50 points. Ok, donc ça rapporte 50 points. D'ouvrir un coffre. Donc voilà. Ah, touché, touché. Mort. 100 points. Ok. Donc c'est pas énorme, 100 points. Oh, je sais pas où est-ce qu'il est, What the fuck. Ok, il est là-bas. Oh, what. Mort. Ok, là il faudrait vraiment que je me casse, hein. Je déconne pas, je vais me casser. Il me semble que c'est pas obligé de faire un top 1 pour gagner. Donc du coup, si t'as 2000 points, mais 2000 points ça représente 20 kills du coup. Quand même chaud à atteindre quoi, je veux dire. Ta gueule. Ok, donc là il y a une pièce. Je vais voir combien ça rapporte. Je pense que ça rapporte 100 il me semble, hein. Je sais pas. Non, 30. C'est peu, franchement c'est très peu. Donc niveau stuff ça va, mais par contre niveau vie je suis vraiment dans la merde. Et au fait les amis, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps en montage où est-ce que j'ai fait d'énormes ralentis très fluides. Oula, j'ai fait d'énormes ralentis très fluides. Et je me demandais si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo à ce sujet, comment faire des beaux ralentis sur Fortnite pour des montages. Ok, le mec est là-bas. Ok, je sais pas comment je l'ai eu réellement. Il y a la zone, ok, je vais prendre un petit bandage. Ok, donc en fait il y a plusieurs sortes de pièces, c'est bien ce qui me semblait. Donc, je pense que ceux-là logiquement rapportent plus. Ouais, là elles sont plus grosses, là c'est une pièce en or je pense. Il y en a plein dans la map, c'est bien, au moins ça incite les gens à rusher et à pas rester dans les towers. Je pense aussi c'est pour ça qu'ils ont mis les grenades qui font des dégâts quand on les lance, ça fait de la fumée un petit peu. Et je pense que c'est pour les campeurs dans les tours. Plus 100, ok, ok. Donc ça équivaut à un kill. Encore une pièce en or. Donc ok, la prochaine game, je fais une autre stratégie. J'irai rush un petit peu plus les pièces d'or, etc. On reçoit 10 points quand on mange une pomme. Ou un champignon, je pense, hein, je suppose aussi. Alors là. Mais alors là. La gueule. On va essayer de gagner quand même, hein, réellement. Je pense que c'est faisable.
Ouvrir des lamas. Ok, il y avait plein d'informations, j'ai pas lu. Mais je pense que ouvrir des lamas, ça rapporte pas mal. Au fait, il y a une nouvelle danse là, comme ça que je l'ai gratuite. Même si j'ai pas enregistré mon numéro de téléphone, je l'ai eu gratuite quand même. En fait, vous avez juste à fermer la page une fois que vous avez cliqué sur le bouton sur le jeu. Et vous l'avez gratuitement, c'est tout con. On va pas aller sur Tomato, je pense, parce que ça va être trop risqué, il y aura trop de monde et tout. Objectif à atteindre 2000, ok, donc c'est à chaque fois 2000, il me semble. Hein. Sur deux parties, c'était 2000, donc vas-y, on va aller, je pense, salty. Non, retail. Ouais, on va aller retail, on va changer un petit peu. Oula. Très risqué là, très très risqué. Oh, ok, il m'a pas vu, il est con. What? Mort. Le premier lot de pièces d'or. Ok, il y a des lots de pièces d'or. J'avais même pas remarqué ça, j'avais pas fait gaffe. Ah, le nouveau sniper dans le nouveau mode de jeu. J'essaie de faire au moins un kill avec. Ça peut être super cool. Eh bien, aussitôt dit, aussitôt fait, madame va être servie. Ah, j'espère qu'il va être AFK au moins 2 secondes. Un conseil, ferme ta gueule. Là, je me dis, ça y est, t'es trop tard. Ça va dégénérer. Oh! Parfait, franchement, parfait. Oh merde, putain. Mort. Oh putain, je suis un connard. Et les amis, je suis un connard. Oh! J'y croyais pas, je me suis dit c'est bon, je suis mort. Ça va être très tendu. What? Ah ouais, bah ouais, mais ça construit, what the fuck? Je savais pas ça, je savais pas frère! Qui m'envoie des messages? Qui c'est qui a osé peindre mon cheval en bleu? Gros, je viens de croiser un de tes subs. Ta gueule! Ok, il y a des trucs qui sont logiques, mais là c'est pas logique. Pourquoi c'est devenu un temps? Je connais absolument pas. Vite, casse-toi. Non, non! J'ai été sûr, la vie de ma mère, putain! Oh, je n'ai ras le cul, là, elle va me finir, hein, gros. Gros, laisse tomber. Il va pas me lâcher. Il sait pas encore si c'est une mixtape ou un album. Il a tout écrit sur son téléphone. Un rêveur oublié dans la cour de l'école. Dans la cour de l'école.